bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake, et évidemment Alan Wake 2 pour être d'ailleurs un petit peu plus précis. Et l'épisode combien? Je veux vous entendre, bien sûr, vous l'aurez compris, l'épisode 9, on est parti. On a quelque chose en haut, on a quelque chose en bas, on a des trucs un peu partout et ça, c'est assez terrible. Oh, un vrai acteur, hein. On en a fait le let's play, les amis, hein. C'est l'acteur qui a aussi prêté ses traits dans Quantum Break, les gars. C'était une exclusivité Xbox à la base. Pardon. Et c'est aussi le surfeur d'argent. Encore des trous de mémoire, hein. Non, c'est oui, Ice. C'est un X-Men. Team Breaker. On a discuté. Ah, j'ai fait des progrès sur la carte, si vous voulez y jeter un œil. Mais j'ai pas encore trouvé l'homme mystérieux. C'est qui cet homme mystérieux? Ce serait plus un mystère si je le savais. Tout ce que j'ai, c'est son nom. Pas con? Warlin Port. Le présentateur? Non. Non, ça lui ressemble pas. Il a beaucoup d'identité, mais présentateur... Je continue mes recherches. Mais attendez, les gars. Pourquoi avoir traduit le nom du présentateur? Ça n'a pas de sens, c'est un peu bête, je trouve. Évidemment, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Voilà, mettez-le d'office, comme ça vous êtes tranquille pendant 30 minutes à rêver avec moi et à imaginer, pardon, la suite de nos événements. Allez, on est parti, évidemment. Vous dessinez une carte? Disons que j'essaie, mais c'est pas facile avec un rêve. J'arrête pas d'atterrir dans des endroits étranges. Je trouve des trucs intéressants, comme ces marques qui réagissent à la lumière, mais je trouve jamais la chose que je recherche. Vous pouvez regarder la carte. J'ai fait le plein de provisions en fouillant partout. Alors, si vous trouvez une cache, prenez ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre aide. Alors, attendez. Avec Saga, c'est le shérif, hein. Il était... On l'a projeté ici? Il est ici depuis longtemps? Ou il a toujours été ici? C'est le mur de mes délires. J'essaie d'éclaircir les choses. Me jugez pas. Rappel. Pour moi, c'est une bouffée d'air frais. J'étais à la morgue, sur le point de donner la preuve au FBI. Port m'a transporté jusqu'ici dans cette réalité onirique. Pourquoi? What the fuck? Qui? Où? Pourquoi? Raison? Pourquoi moi? Fait. Temps manquant, pas de souvenir. Jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai toujours fini ici? Oublierai-je quand je sortirai? Enlèvement, alien, porte, ovni, polyèdre. Rêve, moi, mais pas moi. D'autres que je connais, mais différents. La femme aux cheveux roux. Ça me bute. Ça me bute, je ne comprends rien. C'est incroyable. On a un truc ici. Ici, 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 ici et ici. Une porte verrouillée, d'accord. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Moi, j'en ai pas. Plus tard, Alan. Putain de merde. Plus on avance, moins je comprends. Ok. Allez, on est reparti à cette fameuse porte où il y a écrit perdu. Foutu pour foutu, vous savez ce qu'on dit. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Boîte à outs. Ok. Des petits pills. Waouh. Quoi? J'ai demandé la carte, les gars.
des villes, je suppose, de ma trajectoire. Ouais, d'accord, faut pas aller là-bas. Sûrement un raccourci que j'ai déverrouillé pour l'avenir. Très bien. Très bien. Bah écoutez, c'est très sympa New York. Quand j'y suis allé, j'ai pas souvenir avoir vu tout ça, mais enfin, j'y suis peut-être pas allé dans la bonne période. Ok. Oh waouh. Les gars, donnez des balles, wesh. Eh, vous êtes des abuseurs. Y'a rien à fouiller là-dedans. Y'a rien à faire. Ok. Ah ouais, mais si même toute la ville change, qu'est-ce qu'on va devenir? On a encore quelque chose. Dès que c'est en hauteur, j'ai l'impression que c'est des petits dossiers sur Kasei. Waouh. Scratch. Ah, c'est pour me dire que c'est là, ça. Attends, je comprends pas. Cette flèche, puis elle dit là. Après, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un symbole sympa? Dommage, c'était juste pour la cache. Ah! Ok, mot du pouvoir. Bon! C'est un mot de guerre. Arrêt brutal. Augmente les dégâts infligés par la dernière balle du revolver de 25%. Augmente les dégâts du fusil à double canon de 25%. Lorsque plusieurs ennemis sont touchés en un tir, et restaure 15% de votre santé maximum lorsque vous réussissez un coup direct avec le lance-fusée. C'est pas mal, hein, dernière balle du Revolvers. Ok. Très bien. C'est bien qu'il y avait un truc qui traînait. Bon. Les amis, on est parti. J'ai une lumière en poche, littéralement. Les gars, oh, vous êtes des bâtards. Ah, c'était... Attends, pourquoi je me casse la tête avec eux là? Il y a besoin de ça. Il y a besoin. Ok. Utilise la lumière pour entrer dans la station. Voilà, maintenant j'ai une autre lumière. On retourne dans cette fucking station. Alors attends, ça on va le garder. Je vais rééclairer là-bas et je vais récupérer la lumière de là-bas. Très bien. On va récupérer cette lumière. Alors, il y a des gens, ils ont dû traîner des années. Hein. Et maintenant, on peut rentrer dans la station et éclairer la station
pour pouvoir la pénétrer. Et ça, c'est cool. Bon, on n'a pas trop galéré. Je fais le sale boulot pour vous, hein, les amis. Hein. Ok. Oh, l'ambiance, par contre, les graphismes, c'est quelque chose. Hein. L'accès au quai était fermé. J'avais un ticket. Quelque chose. Très bien. L'accès au quai était fermé et j'avais un ticket. Ok. Évidemment. La porte ne s'ouvrait pas. Très bien, très bien, très bien. Station Caldera Street. La station me sembla avoir une importance. Ça fonctionnerait dans mes écrits, mais il m'en fallait plus. Une chose traînait ici. Un souvenir à moitié oublié. Un écho. Un agent du FBI m'avait précédé. Sur les traces d'une secte de tueurs. Porté disparu, on le pensait mort. La secte me laissait des indices à suivre, me faisant relier les points entre les différents meurtres, dessinant peu à peu une image obscène sur la carte de la ville. La station Caldera Street. Ce nom me faisait penser au trou que laisse une balle. J'eus soudain une inspiration. Le fantôme de mon enquêteur fictif. Une intrigue que je pouvais mettre dans mon livre. J'avais trouvé un lieu. Je tenais une intrigue. J'allais mélanger les deux et les décrire dans mon livre pour générer un chemin plus profond dans l'entre-noir. Sélectionnez l'élément d'intrigue agent du FBI. Et activez-le avec croix pour réécrire la réalité. Mes écrits influaient sur la réalité. L'entre-noir avait réagi à mon histoire. L'entrée des tunnels était enfin dégagée. Oh, c'est trop bien fait. Vous avez vu? Avec les différentes couleurs. N'écris pas, initiation. Trouve Alice. Je ne comprends rien. L'agent avait regardé les ténèbres en face. Elle l'avait englouti. Ok. Les rails s'enfonçaient dans le tunnel. C'était le chemin à suivre. Donc il réécrit en direct la réalité. Return Scratch. Oh waouh, il y a trop de choses. Je suis presque déboussolé quoi. Ok, il y a tellement de choses partout. Je crois que c'est une salle de pause perdue. Merde, ça ne me dit rien qui vaille. Oh, aïe aïe aïe, mamma mia. C'est terrible. Bon, petite salle de pause. Bon, écoutez, avant d'aller là-haut, on va finir ce qu'il y avait derrière. Il y a eu un meurtre ici, hein. Il y a des preuves, hein. Il y a du sang, vous l'aurez compris. Du sang aussi ici. Mais c'est quoi? C'est tous les passages de Cassie ou... Je me suis chié dessus! Ça
sert à rien, je viens de perdre ma putain de... Oh, waouh. Non, je croyais que c'était la Spirals. Je viens de perdre une batterie. Voilà, c'était gratuit, ça mange pas de pain. Tant pis. Je pourrais, entre guillemets, ne pas jouer le jeu, recharger la partie, mais on n'est pas comme ça, hein. Pour des piles, oh, tu vois. Oh, flèche. Là, tu me plais. Très bien. Un mot d'aide. Porteur de flambeau. Augmente la zone d'effet du feu à main de 13% et sa durée d'une seconde. Urgence. Augmente l'efficacité des pansements de 10%. Et ordonnance. Augmente la durée des effets des antalgiques. C'est plus les pansements que j'utilise. J'ai pas compris c'était quoi le feu encore. Donc, on verra plus tard. Pour l'instant, je fais... ce qui me paraît être une priorité, j'ai envie de vous dire. Ok. Ouais, mais non, mais... non, mais c'est trop... c'est trop... Il y a trop de choses. Alan, wake up, là. Il y a trop de choses. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Je sais pas du tout par où passer. J'en ai aucune putain d'idée. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Mais je ne sais lequel prendre. À droite ou à gauche. Trouve Alice. C'est vrai qu'elle a disparu hein, depuis qu'elle a fait la pub pour Free là. Ok, là y'a rien. Oh, ça va être une porte ça. À l'avenir, non? Ok, là, qu'est-ce qu'on a, là? Trop de choses partout. Hein. C'est horrible, parce que j'ai l'impression de louper... trop de choses partout. Voilà, j'ai l'impression de louper des petites caches, des pages de manuscrits, tu vois. Tous ces petits plaisirs qui font que tu passes à côté, quoi, en fait, tu vois. C'était un labyrinthe. Mais le sang me guidait. Quoi? Oh, wow. Il faudra que j'aille là. Ok, très bien. Allons chercher de la lumière, les amis. Si ça vous gêne pas. Allons chercher de la lumière. Un autre endroit à ajouter à l'intrigue. Je devais trouver d'autres visions dans les tunnels. Des inspirations pour l'histoire qui m'amèneraient plus loin. Trouver l'inspiration du tunnel effondré. Chercher la piste. J'avais un nouveau lieu pour l'histoire. C'est là que la trace de l'agent... Oh non, Varro. Regardez ce que ça a fait. J'avais changé l'histoire. Et ainsi l'encre noire changea. C'est terrible tout ce qui se passe. Ça me fume. Ça me porte la poisse d'être sur cette affaire. La SEP peut nous choper partout avec sa magie noire. Laissons la patrouille de Jean Géré. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un agent fédéral recherchait la SEP. Mais c'était un piège. Un sacrifice satanique affreux. Tous ceux qui reniflent la SEP de trop près, ils crèvent. Il paraît que leur chef, c'est la star du polar, Alan Wake. Leur putain de messie de la mort moelleux. Tu parles d'un tas de conneries. Oh, waouh. L'agent fédéral était venu ici en quête de réponse. Il n'avait trouvé qu'un destin pire que la mort. Donc Alex Casey est persuadé que moi, Alan Wake, je suis le chef... je suis le chef de la secte. Les traces de sang disparaissaient sous les gravats. J'avais l'impression que quelque chose attendait. Ok. Compliqué à haut. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Snoop Doggy Dog. Putain, c'est que des zones. C'est que des zones.
que des ombres. Je perds de l'énergie. Y'a rien d'autre là? Non, attends, vous foutez de ma gueule. Non, dites-moi qu'il y a quelque chose là. C'est quoi ça? Y'a un truc, y'a un écho. Y'a un écho. Je fouille en haut, hein, au cas où il y a des flèches qui me guident. Bon. Il y a un écho. Eh ben voilà, regardez. Encore un écho qui traînait ici. Une source d'inspiration. Il paraît que vos recherches peuvent m'aider, madame. Je vous écoute. Il y a plusieurs légendes urbaines au sujet de la secte du Mot. On raconte qu'ils utilisaient ces tunnels pour leurs sacrifices rituels. Il paraît que la secte reproduisait les meurtres des romans d'Alan Wake. Et que Wake lui-même était impliqué sous une fausse identité. Monsieur Grincement, ce qui bien sûr est un surnom du diable en personne. C'était perturbant de se retrouver dans l'histoire de cette façon. Mais j'avais pas le choix, et ça collait à l'intrigue. Ce nouvel événement m'enfoncerait plus loin dans la trame de l'histoire. Ok. Eh ben écoutez, c'est moi qui suis fou ou c'est le monde qui est fou? Je devais être sur place pour voir et pour comprendre, afin de tout changer. Agent du FBI est disparu. J'ai deux scènes à changer. Très bien. Deux possibilités de changement, les amis. Ok. Allez. Sous les projecteurs, offre 10% de chance d'étourdir les ennemis en amplifiant la lumière. Offre 25% de chance de récupérer une charge de lumière en tuant un ennemi. Ça, c'est cool. Soit un malentendu. Ça peut être un bon moyen de... de safeiser quelque chose. Ok. On se casse. De lynx. Les ombres se dissipèrent. J'étais tout seul. Pour l'instant. Tunnel effondré. Allez, on peut encore continuer. On va réécrire ça. Ah. C'est pas comme ça que je voyais les choses. La scène changea avec l'histoire. Je m'imaginais la secte de tueurs se prêter à des actes immondes au-delà du tunnel effondré. L'adepte posa délicatement l'aventure de Casey sur l'autel. Leur Bible démente. Oh waouh. Ah, c'est stylé. Allez. Il n'y avait plus d'eau. Je pouvais enfin progresser. Ma vie, c'est de la merde. C'est horrible. Il fredonne comme un moustique.
Yes, la carte. Ah, salut, Alan. Je suis Tim Breaker, au cas où vous auriez encore tout zappé. Je sais, Tim, j'ai davantage de souvenirs. Très bonne nouvelle. Vos recherches sur Monsieur Porte ont avancé ? Très peu. Le rêve où nous sommes met beaucoup d'obstacles sur mon chemin. Vous pensez que c'est un rêve ? Je peux pas écarter cette hypothèse. Mes rêves ont toujours été extrêmement tangibles. Ils semblent réels jusqu'à ce que je me réveille. Dans les rêves, c'est un cauchemar, hein ? Je suis souvent quelqu'un d'autre. Une autre personne avec un autre nom, vivant une autre vie dans un autre monde. D'autres réalités, peut-être. Mais certaines choses restent les mêmes. Comme Porte. Le portrait robot ressemble aux Portes que je connais. Le présentateur. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un rapport entre Porte et tout ce qui m'arrive. Et il sait que je le sais. C'est une sorte de chef d'orchestre sadique qui me torture. Est-ce que c'est le monde qui est fou ou est-ce que c'est moi qui suis fou? Parce que là, les gars, j'ai l'impression que ils sont tous un peu cinglés, là, non? Bizarre. Ça, le frérot, il est gentil, c'est toutes les caches. Bon, allez, souviens-toi, j'étais à la morgue, ok. Ça, c'est nouveau, par contre, les écritures en rouge. Quel est cet endroit? Un rêve, on dirait. Ce n'est pas réel. Pas de lieu partout. Tous les lieux, n'importe où. Maintenant, New York... Mais pas le vrai. Un chemin vers d'autres lieux? Un point de jonction? Porte est-il le gardien ou essaye-t-il d'aller quelque part? Partout? Porte, entrée, portail, port, ouverture, accès, fenêtre. Ok. Bon. Une petite cache. C'est très agréable. C'est très 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 agréable. Oh. Allez, on est reparti. Il a rien laissé d'autre, là, au cas où hein. On ne sait jamais. Ouais, le team, pas grand chose à nous dire, hein, le frère. Hein. C'est incroyable, le changement d'ambiance, par contre, hein, qu'on vit là. Hein. Allez, go. Entre les ombres. Ah. Un peu fini tout ce merdier là. Merci les gars. Et merci la zone. Oh ! Une petite pause, s'impose. Les amis, on est parti, on save. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Je vous fais d'énormes bisous. Et portez-vous bien, tout simplement. Gros bisous tout le monde. À bientôt pour la suite. Bye bye.